L'Union européenne se propose de former les forces armées libyennes pour leur permettre de combattre efficacement les groupes terroristes qui sévissent en Libye. L'annonce a été faite ce samedi 16 mars par les ministres français et allemands des Affaires étrangères au cours d'une conférence de presse à Tripoli. Nous savons que c'est difficile de commencer un nouvel État avec des institutions publiques. Nous savons combien il est difficile d'avoir des forces de sécurité loyales pour soutenir ce gouvernement et nous ne voulons pas sous-estimer le challenge que nous avons face au cancer qu'est l'État islamique. Nous savons aussi que seuls les Libyens eux-mêmes peuvent accomplir cette mission avec succès et je crois que nous sommes en bonne voie vers un gouvernement d'union nationale. C'est la meilleure façon quand nous voyons combien d'obstacles restent sur le chemin. L'Union européenne considère la formation des forces armées libyennes comme faisant partie des efforts à fournir pour stabiliser le pays. Depuis la chute de Muammar Kadhafi en 2011, la Libye est en proie à une guerre civile alimentée par des groupes terroristes.